of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Le Nest, le laboratoire secret d'Umbrella, est à l'origine du cauchemar de Raccoon City. Ayant réussi à atteindre le Nest, Léon doit maintenant trouver le plus redoutable arme biologique de l'histoire, le virus G. Léon pense que s'il arrive à mettre la main dessus, il pourra faire en sorte de l'avoir dans l'os. Bonjour, nous voilà dans les labos de Umbrella Corporation pour peut-être les futurs derniers épisodes. Sachez qu'à l'heure actuelle, on est à 4h38 de jeu. Sachant qu'on prend notre temps, et ben honnêtement, en mode facile, et je vois à peu près par où passer, et si je connais le jeu par cœur, en facile, tu peux le plier en moins d'une heure. Enfin, je pense une heure max. Une heure, allez, 1h20, franchement. Et en mode hardcore, bah là, encore une fois, ouais, il y a moyen de vachement tracer. La partie des égouts est peut-être la plus dure à cause des créatures qui peuvent bloquer le passage, mais je pense qu'avec une flash, il y a moyen de passer sur le côté, si on arrive à les placer d'une certaine manière. Donc je pense que c'est jouable. Je m'y risquerai pas à faire un speedrun là-dessus, parce que, bon... speedrun, ça prend un peu de temps, il faut connaître quand même vachement le jeu par cœur, et là, même si je retiens parfaitement les choses, ça sera un peu long. Mais voilà, à l'heure actuelle, je vois parfaitement comment largement m'en sortir. Alors, il y a un zombie. Ah oh bah là oui. Oh non, il est encore là lui. Va-t'en. Oust. Oust, espèce de clone. Non mais sérieusement. Et merde. Oups. Est-ce que tu peux passer cette porte? Non, apparemment cette porte te crée de la haine et de la frustration. Ada, ça c'est moi et Ada, donc moi je serai dans cette position et Ada sera derrière moi. M'en fous, je gaspille. Et il est pas habilité lui. Comment il est court. Ah, il était pressé de s'acheter à boire. Oh, toi. Non, mais tu te transformes. Pou, pipou, 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 pipou. Putain, mais. Yeah. Non, tu. Non, traverse pas les trucs. On se fait pas. Ben sérieusement, les critiques. Je sais plus ce que c'était. Non. C'est bon. Bon, on récupère les balles perdues, si on peut dire. C'est pas glorieux, mais bon. Ah, il y a une bignou. Est-ce que je peux? Je peux. Bon, il y en avait quelques-uns que j'aurais pu, mais oh, pas trop d'importance. De toute façon, on n'est pas là non plus pour gagner tous les trophées inimaginables. On s'en branle un peu. Pas de zombies. De la poudre, des grains de quantité, des pancakes. Est-ce que ça redonne de la vie, ça? Un couteau.
Oh. Putain, en plus, t'es militaire, toi. You. Excuse me. Voilà, ça c'est bien. Ok. 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 Parfait. Donc là, on a le level 2. Est-ce que je peux combiner? Ah, les balles, t'as pas le droit. Hein. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire de la place. Après, le jeu en lui-même, je pense que le plus dur va être les boss. Ou le boss, putain, à chaque fois je dis les, mais je suis persuadé qu'il y en aura deux. Pour moi, je pense que c'est là où... il y aura le plus de challenge, mais en soi, sinon... ça va, quoi. Toute urgence dans la zone Est. Ouais, j'arrive. Oui, donc c'est ça, là. Ah, attendez, il y avait de la poudre qu'on n'a pas vue. Bon, on va d'abord aller chercher les balles. De toute façon, je pense pas qu'on revienne là. Ah si, on va revenir, pardon, pour cette merde là. Cool. Donc là, couteau. Mais en fait, les couteaux, au-delà de pouvoir trancher vite fait dans le vif du sujet un ennemi, ça permet aussi de vraiment s'échapper, hein, parce que c'est ça, hein. Ah, et du carburant, parfait pour le BBQ, si on en a besoin. Nickel. Oh my god. Enregistrement. Alpha Ghost, la cible se dirige vers la zone ouest. Il faut aller chercher le virus G et l'agent antiviral. Ici Ghost compris. Rendez-vous au point 03. Bien reçu. Ici Alpha, sommes arrivés à destination. Compris. Attendez la cible. Ici Alpha, je vois la cible, mais il s'apprête à ouvrir le coffre. Bien reçu, attendez le signal. Virus G, homme visuel. On entre. Docteur Birkins, vous allez nous suivre. Quel moment. Dans la zone ouest. Compris. Bah, enculé, t'as ça sous ta ville. Ah, un level 4... on peut pas y aller. L'accès à la passerelle est réservé au cadre supérieur. Quelque part, je suis un cadre supérieur. Mais bon. Ah, on n'a pas perdu notre petit chapeau. On est comme One Piece, nous. Hein. Notre chapeau, c'est toute notre vie. On le perd, on meurt. Tant qu'on le perd pas. C'est pour ça que quand je suis tombé, en fait, le chapeau s'est décroché de notre crâne. Mais sinon, je serais pas mort. Ok, des papillons. Encore une sauvegarde. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Poudre noire. Il faudrait de la poudre jaune là, orangée ou je sais pas quoi là. Il y a un moment, j'en avais pas trouvé d'ailleurs de cette merde. Je pense qu'on en avait trouvé. Alors, on a deux chemins qui s'offrent à nous, un en face. Ok. Et un qui nous amène là. D'accord. Ah. Huh. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc c'est une vitre apparemment qui peut pas être détruite comme ça, vu que... bon. Mais bon, je me demande si je tire dessus, est-ce que au magnum, je perce un trou hein, dans la main. Enfin, à ce niveau-là, je récupère la truc, hein, mais bon. Sinon, ça serait trop facile. L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Et qu'est-ce qui est pas réservé au cadre supérieur, dites-moi. Ah, la nature a repris ses droits. Oh merde.
des nouveaux trucs. Oh, je cours. Attends, parce que là j'ai quelque chose qui me plaît. C'est pas bien folichon quand même, hein. Bon, on va déposer ça là parce que pour l'instant j'ai pas assez de place. Putain, on est vraiment à la ramasse en place. Bon, on a vu un nouveau machin. Lui il est en haut donc il s'en branle. On a tout pris. Écoute, apparemment c'est comme les liqueurs, si tu cours pas trop, ça a l'air d'en avoir rien à foutre. On la prend pas pour l'instant. Apparemment il y a que ça, ok, ça. Je voulais pas faire sonner une alarme. Pulvérisation de solution en cours. Eh merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, un plan. Ah, des codes. Ah, et d'accord, chaque machin doit avoir des codes. Ok. Et on peut aller où, nous? À part là. Bon, bah c'est parti. Je parie que des merdes comme ça, il y en a plein. Ah, il y a un code effacé. Bon, pour l'instant, je vais pas le noter parce qu'il y a que la moitié, donc voilà. Synthèse d'herbicide. Synthèse d'herbicide pour plante 43. Placer une cartouche vide dans le distributeur de solution. Donc on en a une, et ça, c'est, je présume que c'est la machine. Injecter le volume nécessaire du MB et refroidir immédiatement. La croissance de la plante 43 est phénoménale. Si jamais un incident venait à se produire, elle pourrait échapper à notre contrôle. Si c'était le cas, fabriquer l'herbicide à l'aide des instructions ci-dessus pour minimiser les dégâts. Donc je présume qu'encore une fois, ils utilisent énormément des plantes pour créer les machins. Donc là, on a une grenade. Ok, toi, ah, t'es mort. Et le problème, c'est que... Ah, ou alors c'est peut-être écrit. Bon, je vais quand même aller voir. C'est écrit. Attendez, attends, pardon, j'ai couru de touche. Ah, voilà. Je note, hein. Alors, donc, on avait noté bouquin, alors c'est 2, mar, ah oui, ok, ça c'est bon. La merde ces créatures, hein. Les plantes zombies quoi. Normalement c'est plantes versus zombies, hein. Elles sont ennemies, elles sont pas alliées. Ah bon, on va rien dire. Alors, plan du labo. Ok. Bon, je la prends, on verra bien. Il faut de l'électricité.
Et là, il y a des masses zombies. Putain, ça c'est bon ça. Je vais pouvoir m'en faire. Et après. Ok. Bon. Ça sert à rien. Alors, qui est zombie, qui n'est pas zombie? Ou toi t'es zombie toi. Zombie. Non. Décidément. Décidément, il y en avait des zombies. Hein. Ah. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est? Trophée. Je peux pas le mettre. Bon, on va voir pour l'instant. On viendra le chercher plus tard, ça c'est vrai qu'on peut pas. Okay. Y en a deux. Non! C'est... Ah, t'es toi aussi, ça t'a choqué. Oh putain, on dirait. Merde, on aurait dit. Comment il s'appelle le mec de Jackass là? Ah, je me rappelle pas. Putain, c'est exactement lui. Oh là là, salope. Ah, j'ai un. Ouais, moi je voulais récupérer mon couteau. Putain. Déjà, on ne tombe pas comme ça, s'il vous plaît. Putain, je suis en train de griller mes balles au fur et à mesure, mais je m'en branle. Il y a un moment, il n'y a plus de reste. Ah, oh, il en reste encore. T'imagines, tu fais jeter comme un con? Ah bon, tu te retrouves bien dans la merde. Hein, modulateur de signal. Ah! Je vois à quoi ça peut servir. Note anonyme. Ils se sont tous transformés en des sortes de plantes. Ils reviennent sans cesse, encore et encore. Brûlez-les. Brûlez-les jusqu'à que leur corps soit carbonisé. C'est la seule solution. Ah ouais, mais déjà, t'as vu combien de temps il faut pour juste en mettre un à terre, alors les carboniser... c'est pas un peu risqué? Enfin bon. Alors, comment on se la fait? Parce que voilà, donc ça j'en ai besoin de toute façon. Carburant, donc je vais aller juste... Voilà, on va se refaire la petite recharge. Voilà. Hop. On a une grenade. J'ai plus de soins. J'ai plus de soins. J'ai plus de soins. Donc on va essayer de faire en sorte de pas mourir comme une merde. On va aller activer le modulateur et récupérer le trophée, parce qu'on l'a pas récupéré. Et je suppose qu'il y aura une certaine incidence.
qu'on fait? Bon, allez, vas-y, on va essayer d'avancer normalement. Ah, en fait, en gros, vous savez que si je veux vraiment faire de la triche, en soi, je prends les deux codes là que j'ai vus, je recharge la sauvegarde un peu plus loin, et je vais jamais ici tant que j'ai pas eu les codes. Enfin, j'ai juste à les noter, puis c'est un peu con quand même. Enfin bon, nous on va pas le faire, donc je vais noter le code, donc c'est... Attends, je suis obligé de le garder avec moi là ? Sa mère l'hypo... Ah oui, merde. Non, oui, j'ai compris. J'ai compris. Murph. Non, examine. Alors voilà. Donc il faut choisir. Comment on fait? Ok, c'est clic. Murph. Regardez-moi cette pute! Elle me suit! Elle me suit! Jeu de merde, va! D'ailleurs, c'est con qu'on puisse pas prendre des objets, leur balancer, enfin les balancer. Donc là. Ici, route. Ok. Ah! Bah, du coup, cette merde dégage. Donc. C'est vrai que je pourrais faire ça. C'est quand même. C'est pas une excellente idée. Encore que t'es obligé de trouver quand même les codes pour pouvoir les activer, là oui, mais je suis sûr que tu peux ne pas les avoir trouvés et quand même les utiliser. Et c'est pour moi vraiment stupide en fait de la part du jeu. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Alors. Labo de test, basse température, ça sert à rien qu'on y aille puisque j'ai compris que le produit, il faut l'utiliser d'une certaine manière, il faut qu'il le refroidisse. Or, pour l'instant, on n'a pas le produit puisqu'il est vide, notre récipient. C'est peut-être risqué de passer par là, mais bon. Les hommes plantes vont pas me casser les couilles dans 20 ans. Sa mère l'hypopète.
On peut marcher dans nos flammes. Bon, on peut les cramer du coup définitivement. C'est une moyen, c'est un moyen de d'utiliser le lance-flamme. Alors, 2 petites carrées grosses. Voilà. Donc normalement là ils reviennent pas à la vie hein, les deux. Bah, du coup je me pose la question, est-ce que je nettoierai pas le lieu pour éviter toute mauvaise surprise? Parce que je sais qu'il en reste un. On l'a entendu. Thank you. Voilà. Assurons la sécure. Cramons ces merdes. De toute façon, le lance-flamme, on va pas trop s'en servir. Ah, voilà, donc c'est parti. Donc, on dépose ça. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. En exéco. Allez, pas trop. Pas comme ça, j'aurais dû faire. Parce que là. Hop. Ah oui, j'aurais pu avoir le trophée et me barrer quand même plus tôt, mais bon. Voilà. On avait oublié quoi ici? Une grenade et la poudre noire de grande qualité, quantité, qualité. On va la prendre. On va en avoir besoin. Vous savez, tant qu'on y est, on va faire un truc. Si, parce que s'ils reviennent vraiment pas, hein. Après on sait pas, peut-être que je fais ça inutilement. Mais du coup, qui quête là-bas, on va s'en prendre, on va se prendre une petite douche. Piquette. Ah! C'est ce que j'aime. Voilà. Ah merde, j'avais plus de place. Ah, on va aller utiliser le modulateur là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On sait jamais si c'est un truc intéressant. De toute façon, on nous l'interdit pas de le faire maintenant. Alors, c'est MUF. MUF. On en a encore besoin. Bah tant mieux, c'est une grande sac. Je te pardonne le fait que deux de mes balles... Bon, la deuxième, oui, mais la première... Note de Wen Li. Mon dieu, du sang partout. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts?
Tous morts, c'était ces hommes en noir, l'USS, les forces spéciales du siège. Mais pourquoi ils ne sont pas censés nous protéger? Des bouts de cervelle blanc dans une mer rouge, c'est un cauchemar. Mon Dieu, pourquoi? Ne m'a-t-on pas dit que j'étais un génie? Un génie comme moi ne peut pas mourir dans un endroit pareil. J'ai toujours obtenu des résultats. Ils veulent me baiser. C'est moi qui vais les baiser. Je vais gagner le prix Nobel. Je suis un héros, un génie, un dieu. Je ne mourrai pas. Je vais vivre éternellement et mourir d'une balle dans la tête, tirée malencontreusement à côté à deux reprises. Merci pour la grenade, on a fini la zone. Il nous manque une plante rouge, une petite plante rouge. C'est une plante bleue, il nous manque quelque chose. Je présume que c'est de l'autre côté. Pour l'instant, on peut pas le récupérer. On va descendre. On va descendre. Et attention au petit liqueur. Je comprends pas comment ils m'ont vu tout à l'heure. Pali papou, papi lalou. Même pas peur. Je préfère sauvegarder parce qu'on a fait quand même un gros machin. Si je dois crever comme une merde derrière au moment où j'ai activé le truc. Hein, voilà. C'est juste plus par acquis de confiance, comme on dit. Y a plus rien. Parce que le liqueur, je peux le faire. Mais j'ai pas envie de me heal. Partez toujours dans le principe, quand il y a ce genre d'ennemi, faut pas regarder derrière soi. C'est toujours là où il se passe quelque chose. Vous vous retournez, puis... C'est là où il vous attaque, où il vous touche malencontreusement alors qu'il devait pas vous toucher. Enfin, vous connaissez les classiques, hein, donc jamais se retourner. Ayez confiance, et au pire, si ça vous touche... Bon, toi, je présume... Bienvenue, Docteur Lee. J'ai pas de couteau? Vous avez 5 nouveaux messages. Bon, écoute, je préfère... Voilà. C'était pas prévu. Boîte de réception Wenli. Expéditeur Rick Mendoza. Qu'est-ce qu'il vous faut? Toi, vous, la dernière de cet abruti de Colt White. Faut qu'il calme sa joie, ce connard. Enfin, c'est lui le patron, pour l'instant. Sinon, tu n'as pas vu ma double hélice? J'ai inscrit mon secret en dessous. Dis-moi si tu la trouves. Expéditeur Brian Cartwright, trop occupé, hein? Alors comme ça, vous n'avez pas pu venir à notre petite réunion? Pas de souci. Oubliez l'inspection de la serre. Je vais vous donner quelque chose de bien plus simple à faire. Mettez en place le budget prévisionnel pour dans 2 ans. Et je veux l'avoir ce soir. Rick Mendoza, était vivant? Attends, c'est le même? Oui. Était vivant? On nous attaque, il y a des morts. On ne peut plus accéder à la zone est. Impossible d'activer le pont avec nos bracelets. Où se cache cette enflure de Cartwright? Rick Mendoza, et réponds, je t'en prie. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. La plate 43 est déchaînée. C'est le chaos dans la serre. Il faut envoyer quelqu'un là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Et Wayne, comment on peut arrêter ce truc? Tu dois nous aider, je t'en prie, réponds. Rick Mendoza, ok. Et tu te sens bien, Suzy, la pom-pom girl? Quelle chouette fille. On était tous les deux amoureux d'elle. Hein. Mais bien sûr, elle s'en est fichée des nerds. Faut toujours que je te rende les BD et les jeux que je t'ai empruntés. Mais tu risques de devoir attendre encore longtemps. Surtout que je me suis transformé en pot de fleurs. Putain. Oh putain, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Attends, il dit qu'il y a un objet par là. Pas toujours facile quand il veut pas activer sa putain de lampe torche. Ou alors c'est parce que... Ah non, il faut peut-être faire le machin. Cadavre qui bouge. Ah, ça, ça fait penser à Resident Evil 4 avec les régénérateurs. Attends. Mouais. Tu vas bouger au dernier moment. Pas bon. Attends. Voilà. Utiliser. Et
Et là, tu vas voir le zombie avec sa, son visage tout gelé. Ça fait penser aussi à World War Z. C'est ça le film ? Où il y a le Johnny Depp. Non, c'est pas Johnny Depp. Putain, Brad Pitt qui va dans le truc pour prendre les maladies, se les injecter, et t'as un zombie qui arrive. Je dis pas que c'est Resident Evil qui a pompé, hein, je vous rassure, pas du tout. Hein, c'était bien avant. Mais. Refroidissement terminé. Non, bouge pas. Ah, ah si, si, éteint, il me dit qu'il y a de la poudre. Comment je l'ai pas vu celle-là ? Pas vu. Toujours prendre de la poudre parce qu'on va avoir besoin de balles, je pense. Eh oui, j'ai couru. Tu l'as dans l'os. Ça fait quand même plaisir que ça soit illuminé là, parce que trop plongé dans le noir, ça fait peur. Comme ce connard de zombie qui est tombé. Ah, il y avait un zombie plante. Et donc là, on peut utiliser... Et ah merde, mais est-ce que ça aurait pas tué les zombies plantes, ça? Ou les plantes zombies, comme vous préférez? Après, vu comme le jeu est con, je pense pas en fait. Parce que c'est pas la même. Enfin, c'est des zombies eux. Ça a marché. Plantes? On va se. Alerte. Vous avez répondu une solution dangereuse sans autorisation. C'est faux. Ont été enregistrés. Ouais, et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Ah merde, j'en entends un. Oh merde! Putain. Bon, vu que les deux connards ont pas repoussé. Ils ont pas repoussé. J'ai bien fait de les cramer. Alors, attends. Voilà, comme ça on va pouvoir vite. Alors, boîte de réception, on peut lire tranquillement. B. Cartwright, expéditeur William Birkins, renforcement de la sécurité. Depuis quand le Nest est un nid d'espions ? 3 le mois dernier et un 4e ce mois-ci. Et je ne parle pas de ceux que nous avons attrapés. Renforcez la sécurité, Cartwright. À moins que vous vouliez finir comme votre prédécesseur. Sachez aussi que je vais restreindre l'accès à la zone ouest. Aujourd'hui, ignorez toute demande du siège à propos de G. Ces bureaucrates n'apportent rien au projet de toute façon. Expéditeur, menace automatique, ne pas répondre. Objet avertissement, accès non autorisé détecté. Dispersion d'herbicides par un employé non autorisé détecté dans la zone Est. 4h51, Wenli. Okay. Putain, je l'entends. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Nous allons faire notre... Oui. Oui, on peut se faire une petite sauvegarde, oui. Parce qu'on a fait un beau truc. Ouais, vas-y, on fait péter la sauvegarde. Ça sera la 14e sauvegarde. Pour combien d'heures de jeu ? 5h22 de jeu. Bah franchement, ça va. C'est acceptable dans le sens où on prend notre temps. On a... Ah, il y a eu une mort. Ça, pour l'instant, on est dans une bonne moyenne. En tout cas, ben, j'espère que ça vous plaît toujours, qu'on se régale ensemble. Bon, ben voilà, je vous rappelle encore une fois que je suis pas très doué pour l'humour. Moi, je suis un homme de situation. Moi, j'aime juste jouer et faire du skill quand il y en a. Et quand j'en ai pas, c'est toujours avec joie. Surtout quand je fais de la merde ou que je fais des mauvaises, ou que je prends de mauvaises décisions. Bref, eh bien, on se retrouve pour... Ben on s'approche, je pense, de la fin. Et on va aller chercher le virus G pendant que Mr. X est à nos trousses. Pour l'instant, il est en train de s'amuser avec les hommes plantes, histoire de, voilà, de parler de légumes, de chou-fleurs, etc. Hein, voilà, donc c'est classe. Nous, en attendant, eh bien, on va se poser quelques minutes avant de reprendre une nouvelle session. Sur ce, ciao ciao.